Salut tout le monde, aujourd'hui une nouvelle vidéo toute simple, très courte, pour vous parler de la prochaine armée sur laquelle je vais travailler, sur laquelle j'ai déjà commencé de travailler. Alors, pas de suspense, vous avez vu l'intro, il s'agit de l'armée des Orientaux, qui est ma troisième armée de cœur. Pour ceux qui suivent la chaîne, vous le savez déjà. Et en l'occurrence, j'ai un premier guerrier qui est enfin sorti des fourneaux. Il est tout beau, tout chaud, hein. Il est tout peint, tout soclé, il est enfin terminé, il est fin prêt pour la bataille. Et donc ça fait plaisir puisque voilà, ça y est enfin, on a enclenché la machine, hein. La machine est lancée, elle est en route, donc ça y est, on s'attaque aux Orientaux. Les Orientaux, c'est vraiment une faction que je trouve super classe, super belle. Ce que j'adore vraiment, c'est déjà les designs des films de Peter Jackson. Donc c'est pour ça que en termes de choix de couleurs, je vais essayer de m'en rapprocher le plus possible. C'est globalement ce que fait Games Workshop avec le schéma de couleurs que eux ont choisi, donc je vais m'en rapprocher également. Ce que j'aime beaucoup avec les Orientaux, c'est ce côté très rangé, très uniforme, où tous ont la même tenue, ont la même armure. Et ce truc-là, je vais essayer de le reproduire dans mon armée. Globalement, je ne vais pas partir dans tous les sens à faire des couleurs par-ci, des couleurs par-là, en fonction de certaines figurines. Même les héros auront à peu près le même schéma de couleurs que les guerriers de base. Il y aura quand même quelques petits détails ici et là pour les distinguer, parce que quand même, il faut pouvoir les distinguer sur le champ de bataille, il faut que les héros soient un petit peu plus prestigieux et qu'ils ressortent un peu plus. Mais globalement, voilà, une armée uniforme et très stylée. Donc cette armée, comme elle me plaît vraiment beaucoup et qu'elle fait partie de mes armées de cœur, pour une fois, par rapport aux deux armées précédentes, je vais essayer de faire un peu plus d'efforts et un petit peu plus de recherche, quelque chose d'un petit peu plus travaillé sur l'armée d'une manière globale. Voilà, le but, c'est pas que chaque figurine soit une œuvre d'art à part entière, faut pas déconner. Je peux pas me permettre de passer 8-9 heures sur chaque guerrier de base. C'est pas possible parce que sinon, l'armée, elle sera jamais terminée et je pourrai jamais la jouer. Et en l'occurrence, ça va même me démotiver plus qu'autre chose. Donc, c'est pas le but. Le but, c'est d'essayer de passer peut-être un peu moins d'une heure sur chaque figurine, on va dire les figurines les moins importantes, les guerriers de base par exemple, mais d'avoir quand même quelque chose d'un peu travaillé, d'un peu joli. Au niveau du schéma de couleur de la figurine en elle-même, comme je l'ai dit, on va plutôt se fier au film du Seigneur des Anneaux, se rapprocher de ça. Donc on va avoir des couleurs un petit peu rouges, on va avoir du doré bien évidemment et du noir. Donc à ce niveau-là, pas de souci, hein. Du Khorne Red, du Retributor Armor, bon, vous connaissez sûrement, ça fait partie des couleurs vraiment basiques pour ceux qui peignent un petit peu. Sans passer trop de temps sur les guerriers de base notamment, j'ai quand même essayé de faire des petits détails qui feront toute la différence, de quoi les faire ressortir un peu et faire un petit côté waouh. On peut voir qu'il y a par exemple un détail sur lequel j'ai passé un petit peu de temps, c'est ces espèces de rainures sur le casque. Des espèces de petits traits qui forment des sortes de reliefs dans le casque qui voilà font ressortir un peu plus la figurine. C'est quelque chose qu'on retrouve dans les designs des films de Peter Jackson. Je vous mets l'image juste ici. Vous voyez, on a vraiment ces petits traits qui font comme des rainures, je ne sais pas comment appeler ça. Mais ça donne un peu de relief dans le casque et du coup, ça donne un petit côté un peu plus joli, un petit peu plus réaliste. Donc voilà, ça fait partie des trucs que je ferai sur tous les guerriers de base. En parlant de détails, pour l'instant, je ne me suis pas attaqué aux yeux. Je sais que, par exemple, Games Workshop fait des yeux sur tous les guerriers de base. C'est plutôt pas mal, c'est plutôt joli. Je ne l'ai pas encore fait et je ne sais pas si je le ferai. Honnêtement, je ne pense pas. Bah, pour deux raisons. Déjà, ça donne un côté plus mystérieux, on va dire. Le fait qu'on ne voit pas leur visage, ça leur donne presque un côté déshumanisé. C'est vraiment des machines à tuer, ce que j'aime beaucoup. Et je trouve que c'est encore un peu plus classe. Mais surtout, et c'est surtout ça la vraie raison d'ailleurs, c'est que ça va me prendre un temps fou que de faire des jolis yeux sans que ça fasse un regard bizarre. Alors, je me débrouille très bien avec les visages d'une manière générale et je sais plutôt bien faire les yeux. Ça fait partie des trucs que je maîtrise pas mal, mais ça ne veut pas dire pour autant que c'est rapide et facile à faire. C'est toujours vraiment un enfer à faire. Et en l'occurrence, faire ça sur tous les guerriers de base, ça va me prendre un temps colossal et je ne pense pas que ça fasse partie des détails que je veux vraiment mettre en avant dans l'armée. Je pense pas que ce soit nécessaire. On verra. Peut-être que je changerai par la suite, mais pour l'instant, je vais pas le faire. D'ailleurs, la figurine que vous voyez à l'écran, c'est un prototype, hein, c'est la première figurine. Enfin, en vérité, pour être tout à fait franc avec vous, c'est la deuxième. J'ai fait un pré-prototype pour être sûr que cette vidéo ne soit pas non plus un échec total et voir que la figurine rend plutôt bien, que le rendu est cool. Mais voilà, globalement, c'est des prototypes et ça va peut-être être amené à changer un petit peu, à évoluer, à s'améliorer, j'imagine, au fur et à mesure. On peut voir déjà entre la toute première version que j'ai faite
Et la deuxième, on peut voir que déjà ces espèces de rainures dont j'ai parlé au niveau du casque, elles sont déjà beaucoup plus fines, beaucoup plus subtiles et donc beaucoup plus jolies. Bon, au niveau du schéma de couleur, globalement, vous l'avez compris, à part quelques petits détails et un petit peu d'attention portée à ce casque, ça ne se distingue pas énormément de ce que fait Games Workshop. Et là où je voulais vraiment faire un truc thématique et unique, où j'avais vraiment une intention derrière, c'est surtout au niveau du socle. Je voulais, voilà, une sorte de thème qui soit le même pour toute l'armée. Comme je l'ai dit, ça renforce en plus ce côté uniforme. Et du coup, j'ai réfléchi à plusieurs possibilités et celle que j'ai retenue, c'est un socle de Dale. Alors, pourquoi un socle de Dale? Eh bien, tout simplement parce que les Orientaux, je veux les jouer comme les conquérants de Dale. Effectivement, hein, le dernier supplément est sorti. On le sait, les Orientaux ont attaqué le Nord, ont attaqué donc la cité de Dale, mais également Erebor. Et je me suis dit que c'était une très bonne occasion de faire un socle thématique avec ça. Donc pour représenter ces envahisseurs orientaux qui s'en prennent à la cité de Dale, eh bien j'ai tout simplement fait un espèce de socle avec une texture. C'est la première fois que j'utilise un rouleau texturé. Et donc en l'occurrence, je suis assez satisfait du résultat même si je ne maîtrise pas encore l'outil. Ça aussi c'est pareil, c'est pour ça que c'est un prototype. Je vais essayer d'améliorer un petit peu la formule au fur et à mesure des figurines pour que ce soit de plus en plus joli. Mais globalement, c'est déjà assez convaincant. Moi, j'ai choisi un rouleau texturé avec une sorte de pavé. C'est comme des pavés. Et je trouve ça assez cool, assez classe. Donc, pour le reste du socle, pour ce qui concerne l'ambiance générale de ce socle, ce que je voulais vraiment, c'était quelque chose qui aille plutôt vers des teintes chaudes, puisque après avoir fait un peu de recherche, vous pouvez voir l'image juste ici à l'écran, on peut constater que Dale, c'est vraiment des murs plus avec des teintes chaudes, donc plus qui vont tirer vers le jaune. Et c'est quelque chose que je voulais retranscrire ici, raison pour laquelle je suis plus parti vers du brossage à sec avec des couleurs comme du Ushaptibone, qui se rapproche de plus en plus vers le blanc, mais du blanc un peu plus chaud que froid. Ça permet d'avoir un socle qui fait vraiment route pavée, mais différente de celle qu'on retrouve habituellement, puisque l'inspiration majoritaire, c'est généralement Osgiliath, Minas Tirith. Et du coup, c'est plutôt des pierres très froides, avec des couleurs très froides, très claires, très lumineuses aussi. Donc ça change un peu et ça permet vraiment de se distinguer et d'avoir effectivement un pavé qui fait plus Dale que Minas Tirith. Alors la petite cerise sur le gâteau, la petite touche finale, et c'est ce qui fait vraiment tout dans ce socle, c'est ces espèces de feuilles automnales que j'ai placées sur le socle. Alors déjà, je trouve ça très joli. Ensuite, quand je pense à Dale, je ne sais pas pourquoi, mais je pense tout de suite à l'automne. C'est sans doute lié aux couleurs, puisque les couleurs de Dale, cette espèce de rouge et de rouge qu'on retrouve notamment sur les toits et de jaune sur les murs, sur les briques et sur les pavés, c'est forcément des couleurs qui font évidemment penser à l'automne, raison pour laquelle j'ai choisi ces espèces de feuilles et également pour la symbolique, puisque évidemment les Orientaux y viennent pas pour enfiler des perles, mais pour anéantir Dale et tout détruire. Donc il y a ce côté un petit peu fatalité et destruction lié à l'automne, puisque l'automne, c'est plus une saison qui peut être apparentée à la fin de quelque chose, la fin d'un cycle qui se rapproche donc de l'hiver, plutôt que le printemps notamment, puisque le printemps c'est plutôt une saison qui va être apparentée au réveil, au renouveau, à la renaissance. Alors pourquoi je parle de printemps ou d'automne? C'est tout simplement parce que j'ai vraiment hésité entre utiliser des petites feuilles, enfin même des grandes feuilles en proportion des feuilles d'automne, ou bien utiliser des fleurs de cerisier sur le socle, en disséminer un petit peu partout. Ça aurait été très joli également. Évidemment, ce choix m'a été inspiré par le côté oriental, les fameux cerisiers japonais. Ça aurait pu être très joli, mais encore une fois, comme je l'ai dit, c'est lié un peu au printemps, au renouveau. C'est très beau, très poétique, mais je préférais partir sur un côté un peu plus destruction, on vient pour tout casser. Et puis aussi parce que j'avais un petit peu peur que les fleurs de cerisier, ce côté rose pétant, ça attire un petit peu trop l'œil et ça fasse un petit peu de l'ombre à la figurine en elle-même, que l'œil soit plus attiré par les fleurs sur le socle que la figurine en elle-même et tout le travail de peinture qui va avec. Donc voilà, je suis très content du résultat, le socle, la figurine. C'est vrai que le socle, c'est assez basique, c'est pas le plus beau socle, le plus incroyable de tous les temps, ça c'est sûr, mais je trouve que c'est plutôt joli pour l'investissement que ça demande. Je trouve que voilà, c'est rapide à faire, c'est pas trop compliqué. Et honnêtement, quand je sais que j'ai 60-70 figurines au total cumulées à faire
comme ça, avec un socle uniforme. Je me dis que je ne veux pas non plus partir sur un truc trop compliqué et trop long. Donc voilà, ça c'est simple, efficace, ça marche très bien, je suis très satisfait du résultat. C'est tout pour moi, c'est tout pour cette vidéo. Voilà, c'était vraiment une vidéo très simple. Si jamais vous êtes intéressé par un petit tuto peinture pour ces guerriers orientaux par exemple, eh bien écoutez, n'hésitez pas à me le faire savoir. C'est vrai que le format des tutos peinture, c'est le format qui marche le moins sur la chaîne. Maintenant, si jamais je vois qu'il y a des personnes qui sont intéressées par ce tutoriel, eh bien écoutez, j'hésiterai pas à le faire. Donc n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Si jamais vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Et puis en plus, ça aide pour le référencement YouTube. Pareil, hein, si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo. Voilà, c'est tout un tas de petites choses qui permettent de faire évoluer la chaîne. C'est le meilleur moyen de soutenir mon travail sur YouTube, si vous le souhaitez, bien entendu. Et puis voilà, moi je pense que je vais vous retrouver pour deux prochaines vidéos. J'espère que dans pas trop longtemps, j'espère, il y aura des vidéos sur les orientaux. Hein. Un rapport de bataille, ce serait quand même vachement cool contre du Dale et de l'Iron Hills. Si d'ailleurs il y a certains d'entre vous qui jouent ces armées, qui ont des jolies armées de ces deux factions, n'hésitez pas à me le faire savoir. Hein. Ça pourrait être toujours sympa d'organiser des rapports de bataille là-dessus. Mais bon, c'est pas pour tout de suite. Quoi qu'il en soit, moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, salut!